I'm in Saint-Sylvaire in the center of Quebec, where I'll visit a dairy farm from one of the members of the milk cooperative Agropur. The exceptional quality of their milk is one of the reasons why the cheddar cheese has a worldwide reputation. Vincent Banville is a researcher specializing in cheese-making technology. Thanks to him and his team, Agropur is exporting its grand cheddar to the United Kingdom, where it's sold as Canadian Reserve. Comment vous avez fait pour faire le meilleur fromage cheddar au monde? Bien, en fait, il n'y a vraiment pas de secret. Il faut partir d'une matière première exceptionnelle. Okay. Puis au Canada, on a vraiment un lait de renommée internationale. Pour l'alimentation, ça va faire une grosse différence aussi? Oui, au niveau de la saveur du lait, ouais, qui va se retrouver aussi dans le fromage. Le bien-être animal est pris très au sérieux. Ouais. Ventilation naturelle, une belle luminosité. Ah, ouais, donc, ouais, c'est vraiment un endroit agréable pour produire. Pour tout le monde, finalement. Pour tout le monde, effectivement, pour les vaches et les producteurs. Donc, pour faire ce fromage-là, bon, première chose, c'est qu'il faut, faut récupérer le lait, ouais, qui s'en va à la fromagerie. Oui. Là, il arrive quoi avec le lait? Pour commencer, on termise le lait. Ça va garder vraiment un aspect typicité du terroir du lait. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des cultures bactériennes qui vont nous permettre d'acidifier le lait et de produire le fromage. Donc, vous voulez faire cailler le lait? Oui, on va faire un caillé qui va être ensuite coupé, puis chauffé un tout petit peu pour faire expulser le lactosérum. Okay. C'est ce qu'on appelle l'étape de l'égouttage. Et là, on va concentrer, en fait, tous les bons nutriments du lait pour former un caillé qui est plus solide. La prochaine étape, ça va être le salage et puis le pressage pour donner la forme définitive au bloc de cheddar. L'étape ultime, bien, ça va être l'affinage ou le vieillissement du fromage qui va se durer sur une période de 1 à 5 ans. Là, vous avez de la pression. Ça fait des années que vous gagnez des prix à travers le monde pour la qualité de votre cheddar. Oui, nos 4 cheddars ont été nominés 10 fois et sur les 3 plus hautes marches du podium au World Cheese Contest qui se tient au Wisconsin, aux États-Unis, dont 4 fois à titre de meilleur cheddar vieilli au monde. Ce qui est quand même impressionnant, là, considérant que c'est la plus grande compétition technique au monde. Au monde. Ouais, hey, vous devez pas être fier juste un peu. Oui, et on a vraiment une équipe exceptionnelle chez Agropur qui a comme objectif de vraiment produire le meilleur fromage au monde. In 2016, Canada exported over 1,800 tons of cheddar cheese. And the cheddar cheese from Agropur won the best aged cheddar cheese in the world 4 times. That's why we are the best.